Alors ça, c'est la première couche, la giclée qu'on appelle ça, giclée traditionnelle, la main. Alors j'ai marqué 350 kg, ce n'est pas 350 kg, c'est une erreur, c'est 500 kg. 500 kg de ciment par mètre cube de sable. Étant donné qu'on n'en met pas beaucoup, ça ne coûte pas plus cher, mais ça colle énormément. Voilà la première couche d'enduit, la couche d'accrochage. Oui, alors. Bien grasse, bien rugueux. Envoyé avec la couleur pour pied dosé à 350 kg. 500 kg. On l'éjecte dessus, on ne touche plus, on le laisse bien rugueux pour accrochage des prochaines couches. Alors les projecteurs, tous les plastiques, les protéger, il ne faut pas que les filetages des refoulements soient. Vous voyez comment j'ai protégé, vous avez vu en passant là, mettre des papiers de ciment dedans, mouillés, ça prend bien la place, ça nettoie bien. Alors voilà le. Là, le mur a été bien arrosé, on ne le voit pas, mais ça a été énormément arrosé. Hein. La veille et le jour même avant de commencer. Ça, c'est des. Ce que vous voyez là, c'est des. Il y avait des fentes, je les ai bouchées un petit peu avant. Ouais. Il a quand même un petit coup de poignet, pas mauvais quand même, le mec. Alors, vous voyez la façon de faire, c'est le poignet, on avance la main, au dernier moment c'est le poignet, j'ai fait d'autres vidéos sur comment l'envoyer, c'est le poignet qui termine l'action. Vous voyez, c'est le poignet qui donne le dernier coup. On va passer un peu parce que on va pas rester 2 heures avec le bonhomme qui envoie du mortier. Hein. En plus ça c'est pas un rapide. Voilà, vous avez compris. La première couche, la giclée. Alors il y en a qui le font au sablon. Moi j'ai toujours fait à la main. C'est une piscine de 4x8, il faut une paire d'heures pour faire une giclée. Alors, je veux dire, il faut un peu moins de temps au sablon, mais après, bon, il y a du nettoyage à faire, il faut tout protéger, ça envoie du mortier de partout, ça, il faut un compresseur, non, moi je l'ai fait à la main. Voilà.